Bonsoir, bonsoir, bienvenue à tous dans notre émission 1, 2, 3 Coaching, l'émission qui parle de sport, mais pas que. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Clem le coach. Bonsoir Clem. Bonsoir. Clem qui va nous parler tout à l'heure d'une nouvelle technique que je ne connaissais pas, l'Animal Flow. Je reçois aussi Bergman Thierry. Bonsoir Thierry. Hello Jean-Alain. Ça va ? Impeccable. Ouais. Donc Thierry qui est gérant de salle de sport, coach sportif, businessman, enfin qui a plusieurs casquettes. Et avec lui, on va parler un peu de l'avenir des salles de sport, on va parler de l'avant-Covid, de l'après-Covid et des perspectives à venir. Surtout des perspectives d'évolution. Surtout des perspectives d'évolution. Je sens que tu auras beaucoup, beaucoup de choses à nous dire. Comme chaque mardi, Adam qui est avec moi, qui est arrivé en courant et qui va assurer la chronique sur le street workout, qui va nous parler un peu street workout qu'on appelle aussi calisthénique. Donc il va nous parler, nous développer un tout petit peu plus cette technique, cette tendance. Oui, ouais, c'est ça. Ça y est, tu n'es pas trop essoufflé Non. Aujourd'hui, j'ai prévu sur le sujet, en gros, de parler de ce que je fais, comment je travaille avec le public. D'accord. Ce qu'on fait et à qui on propose nos activités. Parfait. Tu as eu un gros week-end en plus, tu as beaucoup travaillé. J'ai des échos un peu. Ouais. Oui. Normalement, ouais, il y a eu pas mal de choses le week-end. Ouais. Peut-être sur Instagram ou avec des amis. Et oui, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on connaît un peu tout ce qui se passe. Alors, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur YouTube, sur Facebook, en version podcast sur SoundCloud. Vous tapez juste 1, 2, 3 coaching. Donc, vous pouvez nous écouter dans la voiture, le matin au réveil, quand vous faites vos courses, tout est possible. N'hésitez surtout à partager les vidéos, à liker, à nous laisser vos commentaires sur ma page YouTube où la vidéo est mise en ligne tous les mardis à partir de 20h. Alors, je reviens à mes invités. Merci déjà d'avoir accepté l'invitation. Clem, Merci de m'avoir invité. Ouais, alors aujourd'hui, tu vas nous. Dis-nous un petit peu donc, ce que tu vas nous présenter. On détaillera dans quelques minutes. Alors, moi, je vais vous parler d'une discipline qui n'est pas très connue en France, mais qui est vraiment en train d'exploser aux États-Unis, forcément, comme beaucoup de tendances en fitness. Ça s'appelle Animal Flow. C'est un entraînement assez complet, hyper intéressant. Je vous parlerai de ça avec plaisir et en détail tout à l'heure. Mais alors, quand tu m'as dit Animal Flow, je suis allé tout de suite sur Internet, j'ai tapé et c'est vrai que j'ai... Alors, je vais pas te cacher, il y a des choses qui sont un peu drôles parce que ce sont des mouvements... Ah, il y a plein d'influences, il y a de la capoeira, il y a du yoga, il y a du breakdance, il y a du hip-hop, il y a presque du street workout des fois. Ouais. C'est vraiment très complet. Mais après, il y a une vraie construction derrière ça avec même un langage qui existe en Animal Flow. On peut vraiment... Il y a une communauté, enfin c'est... Moi, vous allez voir, je suis très enthousiaste sur le sujet. C'est une méthodologie ou c'est... C'est ça, oui, ouais, c'est une vraie méthode d'entraînement. Une méthode d'entraînement. Et on peut vraiment... C'est une boîte à outils. Moi, je l'utilise beaucoup dans mes coachings. On peut faire que ça ou alors utiliser les méthodes pour cibler de la mobilité, de la souplesse. Enfin, ça a vraiment énormément d'intérêt. Après, il faut savoir l'utiliser. Alors, je pense que tu vas t'entendre avec Adam parce que je lui ai dit en préparant l'émission qu'on allait parler d'une technique. Alors, moi, je t'avoue que je n'en ai jamais entendu parler pour... Bah, comme je te dis, ça fait pas si longtemps que ça existe. Ça fait une petite dizaine d'années à peu près. C'est pas mal quand même. C'est déjà pas mal. Ouais. Aux États-Unis, d'après les chiffres, à vérifier toujours, mais ils sont quasiment 500 000 pratiquants. Et il y a les fédérations olympiques de judo en particulier qui les utilisent dans leurs entraînements. Donc ça y est, il y a eu des études scientifiques qui ont été faites sur ce modèle. Enfin, ça a vraiment poussé. D'accord. En France, on est toujours un petit peu en retard, mais c'est hyper développé. On dit toujours qu'on a 10 ans de retard. Ouais, voilà, c'est un peu, on veut pas cracher dans la soupe non plus, mais non. C'est vrai qu'on est toujours un peu frileux sur les nouvelles méthodes, etc. Alors que ça se développe. En Asie, en Inde, en Thaïlande, c'est hyper développé aussi déjà. Et après, il y a vraiment une communauté mondiale qui participe. Et on a vraiment en plus cet aspect communautaire qui est hyper intéressant. Moi, quand j'ai suivi
les formations d'instructeurs, j'étais avec des Indiens, des Thaïlandais, des Australiens, des Canadiens, c'était vraiment fou. Quoi. Mmh. Tu en penses quoi, Adam ? Tu avais déjà entendu parler de... Non, moi j'avais vu en fait, je connais un coach qui fait des cours en extérieur aussi, et il met un peu de calisthenics des fois, fait beaucoup de mouvements au poids du corps, des équilibres, des stands, et après du renforcement musculaire, et je vois, oui, je crois avoir vu ça, parce que j'ai vu, par exemple, des marches oui. sur les mains et sur les pieds. Et moi, au début, je croyais que c'était en gros qu'il avait repris un mouvement d'handstand et qu'il avait fait de côté. Alors, tu dis et des fois un mouvement de... D'équilibre, pardon. Ah oui, d'accord. Ouais, mais c'est quoi le mot que tu as dit ? En fait, il y a un exercice où on va être dans cette posture, mais ouais. fixe, statique, d'accord. on va pas bouger. Et lui, pour moi, il avait pris ce mouvement, il l'avait transformé. Et d'accord. quand tu m'as dit en gros ce qu'il faisait, ben, c'est là que je me suis dit, d'accord, il a dû prendre un mouvement de la discipline. Donc, il y aura des échanges entre le calisthénique. Oui, je pense qu'on va bien s'entendre. C'est l'Animal Flow ou il y a un autre nom? Non, alors, Animal Flow, c'est un peu comme CrossFit, c'est une licence. Ouais. C'est-à-dire qu'eux, ils ont vraiment développé leur système. Mm-hmm. Après, il y a d'autres licences qui essayent un peu de tirer ce... Oui, toujours. Voilà. Ouais. Dans la même direction, il y a Primal Workout, je crois que ça s'appelle. Ah oui, c'est pas mal, ça, c'est un original. Un peu dans le même esprit. Ouais. L'idée est toujours un peu la même, un travail au poids du corps, au sol, et avec des mouvements qui s'inspirent d'autres pratiques, mais bon, après, moi, je vous parlais de celle que je connais et qui est vraiment construite de A à Z. D'accord. Alors, ça va être... Donc, on va découvrir ça tout à l'heure. Et comme tous les mardis, vous savez qu'on reçoit un spécialiste, on reçoit un chroniqueur, on reçoit des coachs sportifs. On fait un petit coucou à Jimmy qui a la technique au studio Black Feeling Radio dans lequel on enregistre cette émission. Thierry, bonsoir. C'est moi. Bon, rebonsoir. Bah, nous, on se connaît depuis longtemps, Jean-Alain. Donc, oui, c'est vrai qu'on a collaboré pas mal sur le coaching, sur le business, sur... un peu tout. Un peu tout. Les difficultés. Ouais, on a connu des difficultés et je suis très content de te recevoir ce soir. Donc, en quelques mots, qu'est-ce que tu vas nous présenter ce soir ? Bah, écoute, moi, de toute façon, voilà, mon activité, c'est une passion, hein, le fitness depuis tout temps. Ça fait 25 ans que je suis dedans. Donc, tu es aussi, alors je t'ai présenté tout à l'heure, tu es coach sportif avant tout. Tu es un vrai professionnel. Ouais. Tu as été gérant de plusieurs salles de sport, hein, pas que celle que j'ai connue. Manager. J'ai tenu un peu tous les postes, gérant, commercial. On a un peu évolué dans ce milieu-là depuis longtemps et on se croise et on se décroise. Et le côté business, puisque tu fais partie de groupes de business, tu essayes de développer l'activité. Il faut savoir que avant dans les salles de sport, hein, si on revient 20 ans avant, il n'y avait pas tout ce côté commercial qu'on a retrouvé, qui a explosé les 10 dernières années. Et toi aussi, tu es un businessman. Ouais, un entrepreneur dans l'âme, en fait. Et en fait, ce qui montre un peu l'aspect post-Covid aussi, c'est toujours savoir rebondir, trouver de nouvelles activités, comme Clem vient de le faire. Ouais. Mais chercher une nouvelle tendance du marché pour essayer de se démarquer un peu et proposer autre chose. Ouais. D'accord. Donc ce soir, on va voir avec toi l'avenir des salles de sport qui peut-être, alors je sais plus, je discutais avec quelqu'un cette semaine qui me disait, bon, effectivement, on a eu un rebond au mois de septembre, au mois d'octobre, et là, on avait l'impression que ça diminuait un peu. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a on commence à reparler du Covid ? Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Tu penses que l'avenir est prometteur ? Bah, c'est toujours pareil, hein. Les salles de gym sont réouvertes, on y a été, il y a le système du pass sanitaire, je crois qu'il y a un gros blocage dessus. Ouais, c'est sûr qu'il y a des salles qui ont perdu énormément de clients à cause du pass sanitaire, qui en ont gagné peut-être aussi, après, non? Il y a des coachs qui ont pris énormément d'adhérents pour les faire travailler en extérieur, donc forcément dans les salles de gym, c'est un peu plus compliqué d'y revenir. Bon, voilà, donc il y aura peut-être un petit dialogue entre ceux qui font de l'extérieur et de l'indoor, ça va être intéressant. Après, il y a peut-être de la place pour tout le monde, qu'est-ce que tu en penses? Peut-être que les salles, tu m'en parlais aussi en préparant l'émission, doivent se réinventer. Non, mais le bienfait général, c'est que les gens ont appris à faire du sport autrement. Et donc, dans ce cadre-là, ben, on les a poussés aussi à aller courir avec un coach en extérieur. Ils n'avaient pas trop le choix. Hein. En même temps, on était obligés d'aller faire du sport en extérieur quand les salles ont fermé. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas adeptes forcément des salles de sport, qui se sont mis au sport et qui vont peut-être pouvoir venir voir les salles de sport aussi. Donc ça, c'est la lueur d'espoir. Peut-être que justement, ils ont commencé à la maison et ils finiront. Vous en pensez quoi, Clem, toi qui es coach sportif aussi, hein, qui... Alors, c'est vrai que ben, la période a été un peu bizarre pour tout le monde. Je pense que les salles de sport vont être effectivement un peu obligées de s'adapter à ce qui s'est passé parce que, mine de rien, ça va laisser des traces, je pense. Ça va faire un peu de casse
si c'est pas déjà le cas. Mmh. Après, dans le fitness, moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, les coachs indépendants et les salles de sport, à partir du moment où on travaille correctement. Mais à un moment, il faut s'adapter aussi aux nouveaux besoins des gens et peut-être sortir un peu des modèles un peu anciens et essayer justement de proposer des nouvelles approches, des nouvelles façons de faire. Donc, je pense que l'avenir est bon pour le sport en général, parce qu'on le dit de toute façon, le sport, c'est indispensable. Bien sûr. Donc, les potentielles personnes qui doivent faire du sport, bah, c'est tout le monde. Donc, faut réussir à trouver des moyens d'amener tous ces gens, même ceux qui n'ont pas envie. Donc, peut-être trouver des nouveaux formats, et que ça soit pour les coachs ou pour les salles de sport, c'est la même problématique en fait pour moi. Bien sûr. Je pense que ça marche de la même façon. Après, bon, je vais être honnête aussi, moi, la fermeture des salles de sport, ça m'a permis de développer mon activité en personnel de manière importante. On dit souvent que le malheur des autres, c'est ça. Le malheur des autres. Mais il fallait s'adapter parce que j'ai vu aussi des coachs qui ne se sont pas du tout adaptés à ces événements et qui ont attendu de. Sans essayer de proposer autre chose. Donc, alors Thierry a eu un frisson hein, quand tu oui, non mais je comprends. Hein. Mais après, moi j'arrive à travailler en partenariat avec une salle de sport, bien sûr, où je continue de donner des cours collectifs, ça c'est une chose, et même de faire des coachings dans la salle et de trouver un accord, parce que évidemment, moi c'est très bien, je fais beaucoup de domicile, mais c'est quand même beaucoup de contraintes avec les déplacements, alors que si je pouvais rester à un endroit fixe avec un bon matériel et que les gens viennent à moi et que je puisse enchaîner les rendez-vous, ça, quelque part, c'est plus rentable pour moi aussi. Bien sûr. Donc, il faut trouver un peu un équilibre le dans le modèle. Voilà. Je pense qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde dans les cas, dans tous les cas. Ouais. Après, le gros problème des salles de sport, je pense, c'est ces grosses enseignes, des franchises, pour ne pas les citer, mais les très grosses enseignes. On a un principe sur l'émission, on essaie de ne pas se faire d'ennemis. C'est ça. Non, on mais... est gentil avec tout le monde. On ne recevra d'ailleurs... On recevra d'ailleurs, je pense, des patrons de franchise. Bon, aujourd'hui, on a le responsable de ce qu'on appelle des salles traditionnelles. L'idée, c'est vraiment de... Évidemment, on peut être concurrent parfois. Et comme tu disais tout à l'heure, moi, j'ai travaillé beaucoup avec des salles de sport où je faisais des locations de salles. Et c'est vrai que moi, ça m'apportait quelque chose parce qu'il y a une clientèle qui est sur place. C'est ça. Et le coach qui est tout seul dans la nature, Adam pourra nous en parler un peu, ben, parfois, c'est beaucoup plus difficile. Bien sûr. N'est-ce pas, Adam? Ouais, mais... La transition est bonne parce qu'on va commencer. Vas-y. Je voulais dire qu'en gros, il y a eu l'avantage du Covid où il y a eu plus de personnes qui sont venues en extérieur, etc. Après, c'est vrai que mais je pense que ça se tourne autour du grand public principalement. Ça va être surtout le grand public qui va bifurquer soit en salle, soit en extérieur. C'est le grand public qui a bifurqué. Mais après, par exemple, il y aura des gens qui ont l'habitude de s'entraîner en salle pour faire de la force, de l'hypertrophie, et qui vont toujours y rester. Les gens qui ont l'habitude de s'entraîner en extérieur, qui vont toujours y rester. Ouais. Et ouais, même moi, en fait, j'ai eu la problématique parce que je me dis que je voudrais faire, par exemple, développer quelque chose pour l'hiver. Enfin, une salle avec du calisthénie, etc., des équipements. Mais je me dis qu'après, par exemple, si les gens ne veulent pas s'entraîner en salle et qu'ils viennent que l'hiver, est-ce que ça va couvrir toute l'année, en fait? Et du coup, c'est par rapport au Covid, donc il y a eu avantage sur le court terme, mais sur le long terme et sur le projet que j'ai, je me dis, je sais pas. Et du coup, par rapport à ce que tu allais dire, pour la chronique... Thierry, en quelques mots, qu'est-ce que tu en penses? Et après, on passe à la chronique, première chronique... De l'avenir, en gros, des structures. Non, mais de toute façon, on est sur les deux. Hein. Les deux peuvent très bien cohabiter, comme a dit Clément. Et je pense qu'on y arrivera. Mais le problème, c'est déjà d'aller rechercher le maximum de personnes qu'on a perdues et qui doivent revenir dans les salles de sport. Et après, peut-être qu'on pourra distribuer une partie du gâteau. Ouais, très bien. On va réussir à s'entendre. Adam, c'est ta chronique, chronique du coach. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous as préparé? Tu vas nous parler du calisthénique. Quel aspect tu vas développer ce soir? C'est à toi. Ouais, aujourd'hui, en gros, c'était pour qui? Enfin, SWC, ben pour qui? En gros, ce que j'avais, je voulais par exemple présenter, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de, enfin, les gens ne savent pas. Généralement, ils me posent des questions, tout ça. Enfin, les gens qui sont intéressés pour venir s'entraîner. Et du coup, ils savent pas, par exemple, si on propose des activités, par exemple, plus des cours, plus si c'est pour tout le monde, des débutants, des gens plus avancés, que du workout exclusivement. Et en gros, moi, c'était pour préciser qu'il y avait... Quand tu dis workout, c'est une question bête. Est-ce que tu parles de l'entraînement en extérieur que tu fais, ou est-ce que c'est une session, par exemple, en CrossFit, quand on dit work of the day, est-ce que c'est ça le workout? Quand je voulais dire workout, c'était plus la discipline que je vais utiliser, plutôt l'entraînement que je vais utiliser auprès du public, que ce soit par exemple des personnes qui sont intéressées par donc la discipline directement à prendre des mouvements, ou des personnes qui veulent faire qui veulent se maintenir en forme, s'entraîner, faire un travail musculaire, ou se conditionner, faire de la préparation physique en général. Ouais. Voilà, par exemple. D'accord. Ce que tu dis, c'est qu'en fonction de l'objectif, En fonction de l'objectif, je prends le calisthenics et je vais m'adapter plus ou moins par rapport au client.
D'accord. Ce que je vais faire, en gros, c'est pas, je vais rester sur du calisthenics, et le client va venir et moi je lui donne ce que je sais faire uniquement ou ce que je fais uniquement comme je veux le faire. En gros, c'est que je vais réfléchir et utiliser le calisthenics, savoir essayer de trouver le moyen de, par exemple, pour ce type de clientèle, comment je vais l'aborder, pour ce type de besoin, comment je vais l'aborder, pour ce type de personne, comment je vais l'aborder, si c'est les âges, etc., des personnes qui préfèrent le faire en collectif, en groupe, ou des personnes qui le préfèrent en individuel. Alors, voilà, je vais te poser une question qui va faire partie aussi des sujets qu'on va aborder. Quelqu'un qui veut perdre du poids, par exemple, quel workout tu vas lui proposer? Par exemple, quelqu'un qui va perdre du poids, ce que je vais faire, c'est que je vais faire généralement, moi, je vais le prendre avec moi, donc je vais proposer, par exemple, surtout en individualisé. Après, ce que je vais faire, ça va être, en gros, il y aura 15-20% de calisthenics dedans. Enfin, ce sera juste du travail musculaire, mais logiquement, on est obligé de faire de l'énergétique, en fait. On a compris que t'as la base, ce que tu aimes, ta passion, c'est le calisthenics. C'est ce qui sort. En fait, dans la perte de poids, parmi les objectifs, dans la perte de poids, c'est qui va s'en éloigner le plus, c'est vrai. Parce que ce qui va être cardio-énergétique, c'est là où on va s'en éloigner le plus. Par exemple, si ce n'est pas pour du calisthenics, mais que ça va, par exemple, quelqu'un qui ne veut pas forcément faire du calisthenics, mais que faire un travail musculaire, du postural, la forme, tant que c'est autour du musculaire, on peut rester assez efficace. Sur la force aussi, sur, même sur l'hypertrophie, je peux m'adapter entre les deux. Après, plus ça va sur l'énergétique, plus ça va être difficile parce que ça s'en éloigne totalement en fait. Nous, la base de mouvement, c'est... C'est-à-dire que tu n'as pas d'augmentation du rythme cardiaque qui ferait, ou un travail d'endurance qui ferait que la personne, elle va... Je vais l'avoir, mais c'est minime. Enfin, c'est minime. C'est très court. Comme dans des sets de musculation, de renfort musculaire, mais il va falloir que je fasse du cardio. Enfin, du cardio comme qui est déjà proposé par beaucoup de coachs. Ouais. Enfin, je vais plus être sur l'originalité, en gros. Alors, il y a Clem qui va te poser une question. Enfin, c'est plus une remarque, mais tu vas me confirmer ça. Le problème quand tu es en surpoids pour le calisthénique, c'est que tu travailles au poids du corps. Donc, c'est comme si tu travaillais avec un gilet lesté. Et ça peut être, pour une personne en surpoids, gênant, finalement. Oui, il faut être plutôt affûté pour pouvoir faire du calisthénique. Pas forcément être un champion olympique, mais le surpoids n'est pas un avantage au calisthénique. Oui, c'est, en fait, la taille et le poids vont beaucoup jouer, aussi même la morphologie par exemple, juste le fait d'avoir les hanches larges, les épaules larges, le but c'est d'être le plus léger possible, le plus sec possible, enfin par exemple si on veut être performant, c'est le plus léger possible, le plus sec possible et le plus petit possible, avec par exemple de l'embras, des lancements, mais c'est vrai qu'en surpoids, on peut arriver à des blessures si on commence par exemple... Enfin, si quelqu'un commence, on peut arriver à vite des blessures. Ça veut dire qu'un ectomorphe comme Jimmy, qui est à côté de nous, qui a la technique, un ectomorphe sera beaucoup plus à l'aise, par exemple, sur le calisthénique qu'un endomorphe. C'est ce que tu dis. 100%, oui. Ouais. Après, par contre, un endomorphe qui va s'entraîner avec le calisthénique, au final, va développer plus de force. Parce qu'il a déjà la morphologie qui le rend plus fort, mais aussi, en général, mais aussi le fait que, en fait, comme il est plus lourd, il va porter plus de poids à chaque fois. C'est comme s'il s'entraînait avec un lest en plus. Ouais, je comprends. Et du coup, au final. Ouais. En gros, c'est plus difficile pour quelqu'un qui est plus lourd, mais ça va être aussi, par exemple, si une personne plus lourde s'entraîne, et quelqu'un comme moi de 70 kg et quelqu'un de 100 kg, par exemple, sur un an, le gars aura développé plus de force que moi. Il aura besoin de plus de force pour faire la même chose que moi. D'accord. Donc, il aura plus de force. D'accord. Thierry, est-ce que le calisthénique, c'est vraiment du street workout, c'est-à-dire que ça se travaille en extérieur. Il n'y a jamais eu l'idée de travailler en salle, par exemple, d'être dans un lieu fermé, ou est-ce que ça ne correspond pas du tout? Thierry, toi qui as eu des salles fermées, Le souci est justement peut-être là, Jean-Alain, à l'heure actuelle. C'est-à-dire que pendant des années, ça va faire moins 25 ou 30 ans, on s'entraîne beaucoup en salle, toujours avec les mêmes méthodes et toujours dans les mêmes systèmes, et qu'à l'heure actuelle, on a goûté un peu au circuit extérieur, différents coachs, donc différentes formations, et les gens proposent des choses différentes, et forcément on arrive à des résultats différents aussi, et effectivement c'est ça qui est intéressant. Comme par exemple, on a vu dans le CrossFit, je pense pas que ça se fasse en extérieur. Je suis pas spécialiste, mais il y a des box de CrossFit. Je pense que c'est le précurseur d'ailleurs. Le CrossFit. On a vu beaucoup de salles de sport intégrer dans leurs espaces des box de CrossFit. Est-ce que tu penses que par exemple le calisthénique pourrait c'est le projet en fait, à l'idée que de mettre le calisthénique en intérieur. Mais à ce moment-là, faudrait changer le nom. ce serait plus street workout. Ouais, c'est vrai que street workout, ce serait vraiment juste au final la discipline qui reste. Mais c'est pour ça que logiquement, calisthenics, il correspondrait plus. Ah oui, ce serait calisthenics à ce moment-là. C'est vrai, parce que ce serait plus. Mais le truc, l'avantage de l'intérieur, c'est pour l'hiver surtout. Je sais que le gros avantage, ça va être par exemple pour déjà les personnes qui veulent s'y entraîner, les athlètes, qui vont vouloir avoir un cadre et des tapis, etc., une bonne structure, du matériel, par exemple, une température, du matériel fonctionnel, tout sur place, pour, en gros, le confort d'avoir ça en intérieur. Parce qu'en hiver, tu fais comment?
En hiver, tu en hiver, dans des gymnases ou dans des salles. D'accord. Donc il y a quand même cette possibilité. Ouais, parce que là, c'est un peu du camping après pendant l'hiver. Le problème, c'est qu'on a la chance d'être dans le sud. Il fait super beau toute l'année, mais. Mais ça reste quand même compliqué en hiver pour beaucoup de coachs sportifs hein, qui sont mis à être indépendants et peut être salariés par les clubs et qui vont se retrouver demain avec un peu plus de conditions météo défavorables et ça va être plus compliqué de travailler en extérieur. On a inventé les containers. Il y a 8 mois dans l'année où il fait bon, mais ouais, il y a quand même 4 à 6 mois d'hiver où c'est difficile. Après, même pour le confort, les gens préfèrent en intérieur et... Ouais. Mais ça s'est fait dans certains pays. Il y a des salles pour le calisthenics, mais pas en France. Enfin, d'accord. Pas encore, pas vraiment. En fait, il y a quelque chose à Paris, mais c'est juste, on va dire, ça n'a pas été développé auprès du grand public. Mm-hmm. C'est entre pratiquants et ils ont fait quelque chose uniquement pour les pratiquants. Ils n'ont pas développé auprès du public. D'accord. Après, comme on est dans le sud aussi, on a la deuxième problématique, c'est que nous, les Marseillais, pour les bouger, c'est difficile. Quand il fait froid, tu veux dire quand aller chercher, c'est difficile. Dès qu'il va commencer à pleuvoir et à devoir avoir des conditions un peu extrêmes pour s'entraîner, ça va être encore plus compliqué. Donc, il va falloir que... Ouais. Clem, tu voulais intervenir, non ? Toi, ta discipline, on développera tout à l'heure, mais elle se fait aussi en intérieur, en extérieur ? Alors, nous, on n'a pas besoin de matériel, comme je disais, c'est au sol. Donc, dans les salles de sport, dès qu'il y a une salle un peu de cours collectif avec un revêtement propre, enfin, fait pour aller au sol, même une salle de danse, comme je vous disais, il y a des influences avec la danse. Ouais. Donc, on peut faire vraiment en extérieur, en intérieur, et aussi en extérieur, dans des pelouses, sur les plages, dans les parcs. C'est vraiment très ouvert. C'est aussi pour ça que ça plaît beaucoup, je pense. C'est que il y a vraiment une sensation de liberté qui est assez forte avec ça. Pas de matériel, même des petits espaces. Hein, on voyait je vous disais dans ma formation, les Indiens, ils ont pas des grands logements, sans voilà. Mais ils arrivaient quand même dans un petit espace à produire plein de choses et tout. Vous verrez sur la page officielle Animal Flow, il y a plein d'exemples avec vraiment de l'espace réduit, de trouver un moyen de s'entraîner. Et c'est vraiment... vraiment sympa. Après, c'est sympa aussi de le faire en collectif. Calisthénique, je sais pas trop si il y a cet aspect de faire ensemble. Il y a pas trop. En groupe. Ouais, fais des cours en groupe. Mais c'est plus chacun fait dans le groupe un peu son rythme. Il y a vraiment. Je vais l'adapter. Ce que je fais, c'est que généralement, moi, je fais différemment. Je m'adapte d'un circuit. Je vais faire un circuit. Je vais mettre des exercices de calisthénique. Parfois, je fais du mouvement, donc ça va être en commun. On va travailler sur du mouvement. Et parfois, ça va être des sets, enfin des choses que je modifie à ma manière. Mais les cours collectifs que je propose, je dirais plus, c'est un peu comme des small groups, par exemple, entre 6, 12 personnes maximum. Mais je m'adapte, je ne peux pas, par exemple, moi, faire quelque chose et demander à tout le monde de faire parce qu'il y a trop de corrections à apporter. Du coup, je fais plus des circuits ou du mouvement, etc. Une dernière question, et tiens, vas-y. Non, mais je pense qu'on est vraiment dans l'air du temps, justement, de ce côté-là. C'est-à-dire qu'il a dit 6 à 12 personnes, et je pense qu'on est vraiment sur du small group training dans l'avenir du fitness, justement. Ah, c'est ça qui est intéressant. Très bien. Pouvoir s'occuper de nos adhérents. Oui. Tu voulais rajouter quelque chose d'autre ? Donc, Adam, sur ta chronique, est-ce qu'on redonne tes contacts, redonne ton... Du coup, vous pouvez checker SWC, SWC PACA. Enfin, il n'y a pas encore le site web, il est en construction. En gros, SWC PACA sur Instagram, SWC PACA sur Facebook. Et pareil, SWC, Street Workout, Calisthenics sur Internet, vous trouverez quand même pas mal de références. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, c'était vraiment adapter le calisthénique aux objectifs des gens, perte de poids, préparation physique. Adapté à tout public. Voilà. Adapté à tout public, remise en forme et santé. Est-ce que dans le calisthénique, parce qu'il y a des gens qui viennent pour des objectifs de santé. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup, mais ça peut être, on va dire, ça peut avoir des effets bénéfiques sur le long terme, à terme, sur, on va dire, de la santé, de la forme, du bien-être. Oui, c'est sûr. Mais je fais pas directement. J'ai pas de clients. Ouais. Ou c'est directement pour la santé. Après, je pense déjà avec mon jeune âge, par exemple, j'attire des personnes qui vont. En fait, ils s'identifient, donc ils voient, ils se disent OK. Il nous a mis de côté là-dessus. Non, c'est pas ça. C'est que... Non, j'aimerais bien, mais. Ils se disent. Ouais, coup de vieux d'un coup. Là. Oui, ils ont vu. Non, mais ils voient sur la page Instagram et ils voient des mouvements et tout. Ils disent OK. Non, on a Instagram aussi. Je pense que. Non, mais au contraire. On est de la même génération. J'aimerais être crédible avec les adultes aussi. Mais je pense qu'ils se disent que ouais, c'est difficile, c'est dur, ça sera de la force et moi, j'ai besoin de faire peut-être quelque chose de différent. Est-ce qu'on peut dire que le calisthénique, souvent on dit de 7 à 77 ans. Est-ce qu'on peut dire ça pour le calisthénique Dire ça en se basant du principe que, par exemple, le travail au calisthénique, ça a un travail à base de mouvement poids du corps. Mais si je prends, par exemple, le calisthénique, c'est le mouvement pur de la discipline, ça va pas être possible parce que ça va être vraiment du mouvement de la performance. Si vous avez 77 ans, choisissez. Non, ça peut être possible. Mais au final, je fais beaucoup de dérivés du calisthénique, c'est le transformer au final en quelque chose qui se rapproche plus de body weight.
D'accord. avec du mouvement, des postures, mmh. du renfort, du gainage, des étirements. Ouais. Mais au final, ça va être plus quelque chose qui ressemble à plus à du body weight, enfin à des mouvements standards de poids du corps. D'accord. Pour des personnes plus qui vont par exemple avoir 110 ans, ou qui vont avoir des problèmes d'os ou d'arthrose, et ça va moins ressembler à ce qu'on voit dans le calisthenics, on va dire. Très bien. Pour pas blesser. Merci Adam. Tu restes avec nous de toute façon. Ouais. Hein, tu voulais rajouter quelque chose ou... Non, c'est bon. Ça va. Ouais. Super. On va passer au coup de cœur et coup de gueule. Clément, Clem, on commence par toi. C'est Clément ou Clem? C'est Clem, mon nom de scène, mais mon vrai petit prénom, c'est Clément. Ouais, alors, mais Clem, ça va très bien. Tu commences par coup de cœur, coup de gueule? Coup de cœur, tant qu'à faire. Ouais. On va commencer par ça. On va être gentil d'abord. Méchant après. Moi, un petit coup de cœur, c'est une petite pensée pour une association qui vient de se lancer. Mmh. C'est quelque chose qui est dans les tuyaux depuis un moment. Ça s'appelle FARE13. FARE, plus loin 13. Pour faciliter la reconstruction. En fait, c'est une association qui m'a contacté il y a un an, qui était vraiment en phase de lancement de construction et qui aide les personnes qui ont subi un accident de la vie, donc des maladies, des deuils, des accidents physiques et qui doivent se reconstruire. Ils sont souvent bien encadrés pendant leur rééducation, etc., mais un peu laissés tout seuls une fois que c'est fini. Et aussi les gens qui sont autour d'eux, les accompagnants, les aidants, les parents, etc. On s'occupe beaucoup de la personne accidentée et pas, a priori, suffisamment des gens autour. En tout cas, cette association qui est donc FARE13, qui est menée par une personne qui a subi elle-même un accident de la vie, s'est rendue compte de ça, a voulu faire ça. Donc, ils m'ont contacté il y a un an. Et là, ça y est, ils commencent à avoir leurs premiers adhérents. Donc, je suis très content de pouvoir en parler, de faire un peu leur petite publicité. Donc FARE13, allez voir sur Facebook, adhérez. Même si vous n'avez pas d'accident de la vie, vous pouvez aider des gens à travers ça. Ouais. Moi, je vais donner régulièrement, dès qu'on aura un local, c'est dans les tuyaux, des cours de pilates pour les adhérents en bénévole. D'accord. Et voilà, toute participation est bonne à venir. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Je vous mettrai coup les liens. Coup de gueule. Coup de gueule. Alors là, ça va être un peu plus... moins sympa, c'est le principe. c'est le principe, alors, c'est un coup de gueule. Je ne vais pas incriminer une personne en direct, mais ce serait pour parler de la situation au gymnase de la Rose-Bégude. C'est là où je fais partie d'un club de basket aussi, et donc où il y a 300 licenciés. Et le gymnase, ça fait depuis le début de la saison qu'il n'y a pas d'eau parce que le système de l'eau est infecté par la légionellose. C'est très sympa. D'accord. Donc, quand il y a plus de 300 licenciés, des enfants qui s'entraînent et qu'il n'y a pas d'eau dans un gymnase, ben, ce serait peut-être pas mal de s'en occuper. Mais a priori, Marseille, on est très fort pour laisser pourrir les infrastructures. Donc, voilà. Mon coup de gueule, c'est ça. J'espère que... Bon, il paraît que monsieur le président a dit qu'il allait débloquer une grosse enveloppe. On va faire tourner la vidéo. voilà. Donc, j'espère... Voilà. Que les sportives collectives de la ville de Marseille seront pris en charge comme ils ont annoncé pour les écoles et que mon fils puisse aller boire de l'eau quand il a une petite pause. Bon, je lui donne une gourde, hein, je le laisse pas, ça soit fait, mais voilà, je trouve ça un peu pas terrible. Très bien. Thierry ? Je ne vais pas faire d'attaque contre la ville de Marseille parce que sinon on ne va pas s'en sortir. surtout quand on a des objectifs de business, de c'est développement. Ça, et qu'on veut développer un peu de business, ce n'est pas trop bon. Moi je reste un peu général sur les coups de cœur et les coups de gueule. Non, je me dis au contraire, si on veut développer le business, du coup, c'est qu'on fait les choses soi-même, on n'a pas besoin de la ville. Mais... Ouais, ça sera peut-être dans mon parti de coup de gueule, alors je vais rajouter quelque chose alors, dans ce cas-là, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Et mais moi j'aime bien découvrir des gens qui essaient de trouver des nouvelles opportunités de développement d'activité, justement. Et je pense que c'est le côté humain un peu, et on revient un peu sur le côté humain dans les salles de gym, parce qu'on on a trop laissé les gens de côté, et aller chercher d'autres disciplines, des nouvelles disciplines, aller dehors, aller dedans, et faire bouger les gens pour leur faire du sport, même, je trouve ça génial. Mm-hmm. Et franchement, je soutiendrai toujours cette cause. Ouais. Et parfois, l'influence, elle vient un peu d'ailleurs, et ça, c'est pas trop mal. Ouais. Dans les coups de gueule, ben, j'en ai un peu marre, parce que là, on a eu beaucoup d'aide, on a eu beaucoup de trucs, mais en fait, on nous aide pas trop au niveau du fitness, on nous laisse un peu crever. Ouais. Et Toi, tu souhaiterais que les aides, par exemple, je sais plus si c'est pour les restaurateurs, que ça diminue, mais que ça continue encore parce qu'on n'est pas tout à fait sorti d'affaires. On a quand même la chance d'être épaulé jusqu'à la fin de l'année. Donc, sur les coûts fixes notamment. Donc, ça, c'est super. Ça va nous faire des rentrées d'argent, mais bien sûr, un peu tard. Mais surtout, on aurait pu activer le sport santé beaucoup plus tôt en France et essayer de nous accompagner vers ça pour accompagner les gens à faire plus de sport, que ce soit pris en compte par la Sécu ou autre chose, comme un peu les kinés. On va pas se faire des ennemis non plus. Mais, c'est vrai que... Surtout que j'en ai pas mal d'amis qui sont kinés, je les salue d'ailleurs. Il en faut, heureusement qu'on en a d'ailleurs, et on travaille de plus en plus avec eux, et on
se développe là-dessus et c'est vraiment ça qui est intéressant. Et après, coup de gueule supplémentaire, c'est un peu les locaux à Marseille, parce que j'en cherche beaucoup pour pouvoir me réimplanter ou travailler différemment ou ouvrir d'autres structures. Et on a quand même énormément de locaux qui sont pourris dans cette ville. Et ça, ça commence à bien faire. Très bien. Moi, j'ai pas de coup de cœur, j'ai un coup de gueule. J'ai un coup de gueule sur les coachs, il y a une nouvelle tendance, hein, vous allez me dire ce que vous en pensez, il y a une nouvelle tendance où les coachs sont un petit peu donneurs de leçons. Par exemple, on va dire aux gens, alors manger bio, oui, on est d'accord, il faut avoir une bonne alimentation, faites de l'exercice, etc. Mais j'ai l'impression qu'on part dans une espèce de tendance où le coach devient un peu le gourou les gens alors on a déjà une telle pression sociale, économique, politique. Moi je trouve que j'ai envie de dire il faut aussi respirer un peu des fois, la vie c'est un équilibre, parfois il faut être dans le sport, il faut être dans l'activité physique, il faut en tout cas essayer d'avoir une vie saine, on est d'accord. Mais je trouve des fois que ça prend des proportions assez effrayantes quand on va sur les réseaux sociaux et on a l'impression que il faut ajouter encore énormément de contraintes à sa vie, ne pas manger ci, ne pas manger ça, perdre du poids et tout. Qu'est-ce que vous en pensez sur mon coup de gueule, très rapidement? Non, mais moi je suis 100% d'accord. Malheureusement, l'évolution du marché, il fait en sorte qu'on met un peu plus de pression sur les gens pour qu'ils passent un peu plus de sport et c'est peut-être pas forcément la bonne trajectoire, mais on y arrive. Est-ce que c'est pas anti-productif, par exemple, moi je rencontre plein de gens qui ont déjà tellement de contraintes. Je vous cache pas que moi je coach des gens et ils arrivent, ils me disent, ce week-end, j'ai pris l'apéro, je me suis un peu lâché. Il n'y a pas de souci, je vais pas leur dire, ah oui, mais il faut pas boire. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, en fait, c'est un peu le problème des réseaux sociaux. En fait, c'est plus large que le coaching. C'est juste qu'on montre une image tellement parfaite qu'après, les gens se mettent la pression et oublient qu'on a une vie normale à côté. Qu'on est des humains. Et il faut dire à quelqu'un qu'il doit faire du sport, c'est comme dire à un fumeur qu'il faut qu'il arrête de fumer. Exact. Bien sûr, tout le monde le sait, mais après, c'est facile à dire quand t'es célibataire, quand t'es jeune, quand t'es machin, mais quand t'es une maman qui a deux enfants, qui a un travail et tout. Faut peut-être avoir une autre approche et trouver d'autres façons de présenter les choses plutôt que tout beau en bikini sur Instagram. Être parfait. Être parfait, ça n'existe pas en fait. Thierry, très rapidement, ensuite on passe à Dan. Ouais, non, mais répète, moi, la seule chose que je réponds toujours aux gens, ils me disent mais ça va, t'es fin, t'es long, t'es mince. Ouais, je fais, mais justement, je picole, je mange. Ah oui, en plus. Et je fais plein de choses et je fais du sport justement pour continuer à faire ça dans le temps. C'est ça qui est génial. Adam? Non, j'avais le même avis sur ça parce que j'ai plein de personnes aussi. J'entends plein de personnes me dire je fume, je peux pas faire de sport. Genre, comme si en fait c'est une contrainte. Enfin, pas une contrainte, mais que c'est. Ils attendent d'arrêter de fumer pour commencer à faire du sport. Mais comme si, par exemple, on le dissocie, par exemple, soit on fait du sport et si on fume ou qu'on boit ou qu'on sort ou par exemple on a une mauvaise hygiène de vie, le sport c'est pas pour nous. Alors je pense qu'au contraire, c'est bien, c'est possible d'allier les deux. Moi je connais des personnes qui fument et qui ont un bon niveau dans le sport ou qui. Ils ont une hygiène de vie moyenne et qui ont un bon niveau dans le sport. Et au contraire, même, ça les a aidés. Et au fur et à mesure, ça leur a donné même envie de un peu diminuer et de plus se mettre dans le sport. D'accord. Donc je pense au contraire, par exemple, c'est même encore plus recommandé de montrer plutôt que montrer l'image. Par exemple, le bon sportif ne fait pas ça, de montrer que plutôt, par exemple, la personne qui fait ça peut se mettre au sport et ça peut l'aider à avancer, etc. Et de... Très bien. Tu as un coup de cœur, un coup de gueule cette semaine? Coup de cœur, ouais, le week-end, c'était pas mal. as fait de la salsa. Moi, je me suis entraîné. Oui, salsa aussi. Oui. Et ouais, voilà, y avait salsa. Et après, il y avait des entraînements. Moi, je fais mes entraînements aussi personnels à moi. Mm-hmm. Et non, coup de gueule aussi, c'était pareil, encore un truc pour la mairie. Et... En fait, il y a les structures... Non, mais je pense que les maires ne nous regardent pas. On est une petite émission, donc vous pouvez y aller. Je l'enverrai en message privé. Non, j'essaierai pour... Non, mais en fait, c'est les structures au niveau du Prado. C'est qu'on avait demandé il y a 3-4 ans maintenant. En fait, il y a juste un carré où il y a des barres qui ont été un peu saturées et 3 qui sont tombées en fait. Ouais. Enfin, qui sont tombées, qu'on a enlevées parce qu'il y a le sel de mer, du coup, ça sature un peu. Mm-hmm. Et voilà, en fait, on attend de réparer, on fait demande à la mairie, etc. Mais d'accord. Ça met un peu de temps pour. C'est pour ça que tout à l'heure, je me disais aussi, si on fait les choses soi-même, ça... au moins on le fait soi-même. Mais là, la mairie, en fait, peut faire les choses, mais c'est juste qu'ils sont assez lents sur le truc. D'accord. On va enchaîner un peu. Thierry, très rapidement, tu voulais dire quelque chose?
Non, mais je pense que c'est important aussi de dire que dans les quartiers, justement, on avait, et moi je viens du 14e arrondissement, des salles de quartier qui existent depuis 35, 40 ans, sous forme associative parfois, et malheureusement, elles ont été délaissées avant le Covid et après le Covid, et c'était un vecteur social qui était super important, et c'est dommage de l'avoir laissé tomber, je trouve. Très bien. Clem, le coach, c'est à toi, ta chronique. Tu vas nous présenter l'Animal Flow. Ok. Alors, l'Animal Flow, donc tu nous en as parlé en introduction, ça consiste en quoi ? En quoi ? Ouais, il va falloir expliquer un petit peu. Alors, je vais essayer de résumer, mais ça ne va pas être facile parce que c'est un univers qui est vraiment très riche. Assez rapidement, si je devais expliquer ça d'un point de vue purement technique pour des coachs, pour des salles de sport, etc., ça serait un entraînement au poids du corps, au sol, fonctionnel, où on va travailler la coordination, l'agilité, la souplesse, la mobilité, quelque chose de vraiment multiplanaire. On va travailler des rotations, travailler à bouger dans l'espace. Bon, ça, c'est vraiment l'aspect technique. C'est ce que c'est vraiment, mais c'est pas très vendeur, donc j'ai présenté ça d'une autre façon. D'un côté un peu plus philosophique, pour moi, à force de le pratiquer, comment je le ressens, c'est un entraînement qui va vraiment permettre de se reconnecter avec soi-même. Le fait d'utiliser son corps comme outil, ça va vraiment permettre de se reconnecter avec soi-même, de trouver un petit peu, si on est bien accompagné, qu'on nous explique bien les mouvements, etc., comment ça fonctionne et comment l'exploiter au maximum. Vraiment utiliser son corps comme un outil d'expression. Et c'est là que ça devient intéressant pour moi, c'est que à force de pratiquer, en dehors de quand on l'utilise pour un aspect purement sportif, quand on fait vraiment que de l'Animal Flow, on a cette sensation un peu d'expression corporelle, de pouvoir faire des choses, que ça soit en individuel ou en groupe, un peu des chorégraphies, de la création. Et même moi, parfois, je le ressens un peu comme une méditation. C'est-à-dire que j'ai besoin de me déconnecter, je suis un peu submergé par la vie quotidienne, etc. Je me pose au sol et je me laisse guider par le flow. Ça s'appelle comme ça, c'est le principe, hein. L'idée c'est de fluidité, et je me laisse un peu les mouvements, je cherche un petit peu où est-ce que je vais, etc. Et pendant 5-10 minutes, voilà, je me reconnecte un petit peu avec moi, et ça me donne vraiment des super sensations, quoi. Alors, on va regarder tout à l'heure quelques mouvements, vidéos, oui, effectivement, c'est, comme tu dis, c'est du flow, c'est fluide, ouais. Qu'est-ce qui te fait penser que, est-ce que tu penses plutôt que c'est quelque chose qui va se développer encore plus? Alors, moi, je suis vraiment enthousiaste là-dessus, hein. Vous avez peut-être senti un petit peu déjà, mais moi, j'ai pratiqué pas mal de sports déjà, avant, je faisais du basket, même en tant que coach, voilà, je fais beaucoup de cours de pilates, etc. Et pour moi, c'est le pilate du futur. Rien que ça, c'est vraiment un pilate beaucoup plus sportif. C'est sûr que le pilate, ça a cette image très posée, etc., qui est très bien. Ça l'est pas. Non, c'est très intense. Ça, ouais, c'est de l'extérieur, on dirait qu'on bouge pas beaucoup, mais à l'intérieur, il se passe beaucoup de choses. Le plus gros de mon activité, c'est le pilate. Hein. Ouais. Donc ça, je suis d'accord là-dessus. Ouais. Par contre, tu veux dire que c'est peut-être l'Animal Flow, c'est plus physique. Oui. Ouais. Après, ça, pareil, on peut l'adapter, d'accord. Ouais. On peut vraiment régresser, en fait, on dit régresser, c'est-à-dire adapter les mouvements. Mm-hmm. Et il y a même des études scientifiques qui ont été faites, qui ont montré que ça va jouer, le fait de retourner avec 4 appuis au sol, en quadrupédie, ça va jouer sur la plasticité cérébrale. D'accord. C'est-à-dire que ça peut avoir un impact positif pour les personnes qui commencent à avoir des troubles dégénératifs. Mm-hmm. Et ça, ils sont en train de faire des expérimentations là-dessus pour proposer un peu cet entraînement aux gens qui ont Alzheimer, qui d'ailleurs, ont Parkinson... Je crois que ta présentation a un impact. Il y a Jimmy qui commence à se faufiler sous la table, donc vous ne pouvez pas le voir. Mais je ne pouvais pas passer. Alors, ça s'appelle Animal Flow. Attention, hein, le but, ce n'est pas de trouver son animal totem, etc. Ouais. Encore une fois, c'est un nom commercial. Avant, ça s'appelait... au tout début, ça s'appelait Global Body Weight Program, je crois. Parce que c'est un système au poids du corps. Ouais. Et après... pour essayer de mettre un peu une structure dans tout ça, ils se sont rendus compte qu'il y a pas mal de mouvements, en plus de ceux de yoga, de danse, etc., mm-hmm. qui vont se rapprocher de mouvements animaux. Mm-hmm. Et visuellement, ça va nous aider à comprendre les mouvements, en fait. D'accord. Quand je vais dire à quelqu'un de faire un scorpion, on va envoyer le pied vers l'arrière et on va bien visualiser la queue du scorpion, d'accord ? Mm-hmm. Et ça va être... en fait, les mouvements sont très descriptifs. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un langage avec le Animal Flow. Ouais.
où en fait, on va pouvoir se comprendre très rapidement en apprenant les mots, et je vais pouvoir donner des consignes, des chorégraphies en disant jambe gauche, under switch, jambe droite, scorpion, et d'un coup, les gens, s'ils ont un peu d'expérience, qu'on leur a appris les mouvements, ils vont pouvoir comme ça avancer dans la chorégraphie et du coup expérimenter ça. Alors, tu vas nous, on va regarder ensemble un petit extrait et tu vas nous commenter en même temps. Ouais. Ah, alors, on peut peut-être couper le son, je sais pas si c'est possible. Donc ça, c'est les mouvements que je fais de temps en temps. Là, voilà, par exemple, c'est à la plage, donc vraiment, on peut le faire n'importe où. Dans Animal Flow, il y a 6 composantes. Ça, c'est une des composantes. Ça, c'est ce qu'on appelle les étirements spécifiques. Donc, en fait, c'est des étirements. Ça ressemble, il y a beaucoup de choses qui vont ressembler, par exemple, à des chiens tête en bas. Voilà, au yoga. Sauf qu'on va être tout le temps en tension. Si tu regardes, je pose jamais les genoux, par exemple. Donc, on maintient une ligne de tension qui part des mains jusqu'à la pointe des pieds. D'accord? Là, c'était le scorpion. Je vais le faire de l'autre côté. Donc, il y a vraiment, ça, c'est un des composants. Donc, les étirements spécifiques. Il y a aussi les mobilisations de poignets, je vais vous dire un peu les 6 composantes principales, les mobilisations de poignets, les activations, ça je les utilise beaucoup dans mes entraînements perso, quand je fais de la musculation par exemple, j'utilise les activations, les étirements spécifiques, les formes de déplacement, on va pouvoir aussi se déplacer en imitant, en s'inspirant du singe, en s'inspirant du crabe, en s'inspirant du crocodile, du guépard, etc. Il y a tout un tas de...
Et sinon, il fait quoi ton père dans la vie? Bah moi, il est dentiste. Et toi? Un formateur de super-héros. Waouh. Et sinon, il fait
général.